Aha! On a un truc là. Bon, par contre, c'est super loin. Où est-ce qu'on pourrait s'arrêter? Creekrun. Moonstone Pond. Grizzly. On va aller voir. Je peux. Ouais, je peux pas là. Faut qu'on sorte. Faut qu'on parte. Not right now, sorry. Et pourquoi? Sorry, can't right now, friend. Oh putain. Le train peut-être. Attends, le train il va jusqu'à là-haut? Emerald Station et après il faut aller en à pied. Enfin, à cheval. Rush me, I'll get to you. Allez. Can I help you? Emerald Ranch? All right, here. Je pense. J'aime bien le fusil à pompe. Je vais le montrer après. Le fusil à pompe est cool. J'ai fait un canon long aussi. C'est pas mal. Il y a un peu plus de portée. Enfin, le mieux, ça serait le canon. Le double canon, en fait, je pense. Fusil à pompe, c'est vrai qu'il faut être vraiment près, en fait, de la personne. Enfin, mais c'est fun. Par contre, j'ai pas pu customiser le Rolling Rock rare. J'en ai trouvé un. Et en customisation, il y avait écrit que le Rolling Rock. Donc apparemment, j'ai customisé le. J'ai customisé le normal. Ouais, j'ai customisé le normal, mais pas le rock. Il est argenté avec des rayures noires. Les armes rares ne sont pas personnalisables. Oh la vache! Je crois qu'on va partir. Come on.
Bah, je suis pas fini avec toi, viens ici. Allez, partez. Partez les chevaux. Les chiens, pardon. Noir et en or. Un truc de fou. Come on, girl. Ah, je regarderai à l'occasion. Où est la gare? La gare vient de s'évanouir. C'est quoi ça? Blaireau américain. 3 étoiles. Oh, 3 étoiles. Ouh, ici. Qu'est-ce qu'on a? Des flèches normales. Je remette la visée assistée, c'est dur sans Rurik. C'est en bon état. C'est pas parfait. Allez, on y va. On va chasser le légendaire. Il me faut des meilleurs. C'est quoi, des hyènes qui bouffaient les cadavres? Oh, on lui a bien mis dans la tête à lui. Oh la vache. Changer les plaquettes. Ah. Tout s'est bien passé. Nous, on vient de tuer des chasseurs de primes. Ok, girl. 5 ou 6 chasseurs de primes, quand même. Oh, il y en a encore. En train de se... Ouais, il y a les chiens et tout. Alors, on va pas traîner. On va faire ce qu'on a dit. On va aller à la chasse. Thank you.
j'ai battu mon premier, oui, je vais freiner dans le cul d'un camion. Bonne chance. Oh. Il me faut le lapin. C'est peut-être mieux le fusil petit gibier, non? Bien joué. Non mais cassez-vous, vous allez faire peur au lapin. I don't need no new friends on the road. Get lost. Putain, je suis nul à la chasse au lapin. Bah merde alors. Ah. Ça marche pas. On va faire avec petit gibier. Ah oui, j'ai pas fini ce succès. J'en ai fait. Enfin, ce défi. Je crois que j'en suis à 1 sur 5. Bon, c'est pas grave, on continue. On va à l'emplacement du légendaire. Oh. Ils vont se battre ? Pas con le loup. C'est un grizzly. En très bon état en plus. Faut quelque chose de plus puissant, ou alors faudrait, j'ai peut-être pas nettoyé le fusil donc il fait pas assez mal. Peau d'ours, mauvais état. Voilà, chargé pour le moment mais... Pas le temps. They called you a woman killer, not a turncoat. Your own brother? I'm a good man.
You're wasting your breath. Sounds like your brother should have smarted you up when he had a chance. Express. Voilà. Ce sera peut-être mieux. Tu as appris à chasser avec des inconnus. Et la différence entre un mauvais chasseur et un bon chasseur, c'est que un bon chasseur, bah, il sait ce qu'il fait. Il voit la bestiole, il tire. Le mauvais chasseur, il voit, il tire, mais c'est un mauvais chasseur. Le bon chasseur, il sait, il voit, il tire. Il faudrait que je le regarde encore, ce sketch était marrant. Easy. Ah, il est l'heure de pister. Okay. A trail. Yeah, still a ways. Merde, putain, mais c'est un grizzly légendaire qu'on est en train de chercher. Tu te fous de moi? C'est pas ça sur la carte. C'est pas. Pour moi, c'était une taupe ou une, je sais pas, un genre un. Genre un truc dans les rivières là qui font des barrages. Je pensais que c'était ça moi. D'accord, c'est pas du tout ça. Putain, c'est grizzly légendaire. Bon, on va en chier. Il passait par où ce con? Là-bas. Ah mon dieu, ça va être la merde. Bon, on a le fusil à verrou avec les balles express, donc normalement ça devrait être bon. Ouais, je crois que je le vois en face. Ouais, c'est celui-là. Mets-toi en boule. Oh la vache. On est encore en vie. C'est tout cool. Bois de l'alcool. Oh. Ah, le truc, il te voit, il charge. Hein. Je pensais qu'ils allaient faire le. Il allait faire au moins le truc du. Enfin, de l'ours, quoi. Il te voit, il fait peur, il fait. Ouais. Non, lui, il te charge. Oh la vache. Oh. Ah, alors, je pensais qu'il était un peu moins violent que ça. Lui, il était violent. Oh la vache. On a survécu. C'était épique. C'était super épique. Oh. C'est la mer bouffe. Ah la vache. Playtime. Merci pour le follow. Ah la vache. C'était chaud. Bon, on a une peau légendaire en plus. Yes. C'est bien. Ah, regarde les vêtements. Mes vêtements, ils sont tous déchirés. Ah, c'est bien fait. Et est-ce que notre gueule, est-ce qu'elle est déchirée? Non, mais oh la vache. Il y a tellement de détails dans le jeu, c'est abusé.
On a survécu. Let's go, girl. J'ai perdu mon chapeau. Je vais aller le récupérer. Je sais qu'il y en a sur le cheval, mais je vais aller le récupérer. Ah, on était quasiment mort par contre. Mon chapeau, il doit être en charpie. Chapeau. Ah ah. Voilà. on ressemble plus à rien, mais au moins on a le chapeau. Ah, de toute façon, ils ont dit que pour augmenter la vie, il faut faire du tir à l'arc, des combats à main nue. Là, je pense qu'un combat à main nue contre un ours, c'est pas mal. C'est pas mal pour monter de niveau, quand même. Je trouve ça assez bien. Bon, maintenant on rentre. Enfin, on rentre. On va au... comment il s'appelle? Braconnier. Non, pas braconnier. Trappeur. Trappeur. Mais c'est loin, le trappeur. Riggs. Riggs Station. Ok, on va faire Riggs Station. Donc, on va aller au train. On va aller là. En espérant qu'on évite les tueurs à gages. Enfin, les chasseurs de primes, plutôt. Ah, mais il nous restait quoi? Quelques millimètres de vie, hein. C'était un peu... C'était vraiment juste, hein. Je me demande si on débloque des trucs intéressants avec, avec la peau d'ours. Il a quand même intérêt de me donner un truc bien, parce que bon, peau d'ours légendaire, bah, combattre un grizzly comme ça, c'est pas tous les jours. Easy there, girl. Okay there. Ah, des wapitis, il m'en faut des wapitis. Si je pouvais en attraper un. Je veux pas le cibler? Allô? Par contre, même pour cibler les animaux, en fait, genre avec le lasso, il veut plus. Oh, avec large. On va faire comme ça. Je sens qu'on va encore tomber sur des chasseurs de primes. On a une prime de 525$ quand même. Putain, mais c'est énorme. Pourtant, on n'a pas fait grand chose. Enfin, ouais, on sait quand même. On a fait beaucoup de choses. Il me reste le poisson légendaire. C'est tout? Non, il y en a d'autres quand même. All right, girl.
Mais putain! C'est pas ça que je veux faire. C'est cibler mon truc et lui donner à manger parce que. Voilà. Voilà. Alors, c'est là. Alors attendez, faut que je regarde la carte. Ça, c'est embêtant à chaque fois d'aller dans la carte. Riggs Station. I see your friend. I'll help you out presently. What can I do for you? Garde Riggs. Thanks. See you again soon. Merci. La priorité. Peut-être un puma. Ça marche. On va voir. C'est cool la chasse. C'est juste que ça prend un peu de temps. Il va y avoir des allers-retours souvent, je trouve. C'est un peu ça le problème, je pense. Allez, mec. Putain, il est où le trappeur? Il est juste là. Juste à droite. Peau d'ours légendaire, $60. Oh, I'd pay just about any price for this. Done. Le reste, on le fera au camp. Nothing quite like wearing your best day's work. Ok, alors déjà, ensemble de vêtements. Chasseur d'ours. On a la tête de l'ours légendaire. Manteau en ours, il faut quoi? Il faut une fourrure de bison en plus. Gants ensanglés. Ouh, les gants ils sont classe. Trophée de chasse. Meet a falconer named Jerry. I said hi. Faut tellement. Il y a tellement d'animaux en fait dans le jeu, c'est abusé. Moufette. Ours noir, en plus il y a différentes couleurs d'ours. Rat, écureuil, mouton, serpent. Et crocodile Dundee. Vache, iguane. Monstre de Gila. De Gila. Wapiti, antilope, opossum. Oh, putain, là-bas. Biche. Plume de merle, d'oriole. Chèvre. Plume de plongeon. Condor, corbeau. Oh! Oh la vache! Best gloves I ever saw belong to a trapper up in Roanoke. Albino beaver fur. Cartouche de fin tireur. Oh, c'est joli. Avec les petites pochettes. Ah, on va prendre ça, on va le prendre, je pense. Ça, on va l'acheter. C'est joli. Austère de fin tireur. Ça faut les débloquer.
super en armement. Le chapeau serpent, ouais, il est stylé. I've run this stall all the way from here to the border. The northern border, that is, and I've never been out of work. Bah du coup on peut pas faire grand chose en fait. À cause du fait que bah la peau d'or c'est pas suffisant quoi. On peut faire des selles en serpent, cougar, sanglier, alligator, castor, panthère. T'es sérieux? Oh, la vache. Thank you kindly. On va devoir massacrer tout l'écosystème. Honnêtement, c'est un peu abusé. On va devoir massacrer tout l'écosystème. Incroyable. Je vais tirer sur tout ce qui bouge. Un sur trois, wow, pas mal. Merde, on a déjà vu. C'est quoi ça? Les moufettes. Ah, venez, venez, venez. Venez, venez, je vous défonce. On va me prendre pour un fou. Étudier. Elle est où sa tête? Je vois pas sa tête. Qu'on prenne... à l'arc, c'est mieux. Eh, on a eu 3. Bah, l'autre, peut-être pas, parce que j'ai tiré comme ça. Eh non, 3. Parfait état. C'est la chasse. C'est la chasse. Comme ça, la chasse. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Un cheval à moi, ça? Been a
wild, boy. C'est un cheval qu'on avait perdu, je crois. You're okay, boy. Ça va le cheval? Bon bah. Reste avec nous et on part à la chasse. Par contre, chasser à côté des chemins de fer, c'est un peu con. T'es Crunch, tu le conseilles aussi on aime GTA 5. Ouais, oui, 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 complètement. Ouais. Non, je suis bloqué dans les animations. On se casse là. Oh putain de merde. Allez, on monte sur le cheval. Il est un peu lent des fois. Il est un peu lent. Casse-toi le chien. Je veux pas te tuer. Ah toi tu vas toi on va te finir. Hi-ha! Saloperie. J'étais pas prêt, j'étais en train de... Ah mon lapin, on a perdu le lapin. Faut qu'on customise le double canon, il est vachement bien quand même. Quoi, c'est des balles? Ah oui, c'est une balle, c'est normal, ok. Il est quand même vachement bien celui-là. Ah, j'ai une petite préférence pour le fusil à pompe, mais c'est vrai que... Dès qu'on arrive à une certaine distance, c'est, hein, c'est pas top top. Alors. Bon, on est reparti.
Bon, c'est emmerdant, on a perdu notre lapin. Chiant. Non, non, ce que j'ai utilisé, c'est le double canon. C'est pas à pompe. C'est celui-là que j'ai utilisé. À pompe, c'est autre chose. La différence, c'est que le fusil à pompe, bah, c'est du calibre 12 chevrotine, quoi. C'est des plombs. Et l'autre, c'est des balles, si je me trompe pas. C'est pour ça qu'il a une meilleure portée. Il fait extrêmement mal. Je pense que sur cheval, c'est pour les combats sur chevaux, c'est le mieux, le double canon. Ça sèche un mec en une balle. Voyons voir ce qu'il y a. Il y a des lapins là. Il y a des lapins. Ah bah tiens, on va continuer. Oh Jesus, oh Jesus. Qu'est-ce qui se passe encore? Je viens juste chasser des lapins, bordel de merde. Ah, il se fait. Ah, il se fait attaquer par un loup, putain. J'arrive, j'arrive. D'accord, ils s'en foutent. Vache. Saloperie. Oh, thank God. That animal is a goddamn menace. Non. You saved me, partner. Woo! I was almost a meal there. Good luck to you. Watch out for yellow eyes. I will, friend. I will. Je voulais faire un peu stylé, genre. Ils vont avoir peur si je tire en l'air. Non, pas du tout. Ils s'en foutent complètement. Ils se sont complètement foutu des coups en l'air. Rien du tout, quoi. Les trucs, ils sont retournés, ils m'ont attaqué, quoi. Ouais, j'ai failli le buter. Ça arrive souvent, en fait. Parce que la touche, en fait, pour viser, sert à parler aux gens. Donc, des fois, j'ai... Ou l'arme, elle est pas rangée. Ou l'arme, elle se range au mauvais moment. Et tendance à pointer l'arme sur un mec où, en fait, je voulais lui parler, tout simplement. Je sais pas pourquoi on a deux chevaux. Eh, mais on a encore tout défoncé, quoi. Regarde-moi le bras. Oh la vache. Alors on repart à la chasse. C'est pas mal d'avoir deux... de chevaux. Faites pas de bruit, les chevaux. Chut, chut, chut. Vous voulez pas que je chasse? Salut Orient, ça va? Oh putain de merde. Oui, j'arrive, je suis le bon samaritain, j'arrive. Que se passe-t-il? Please, sir, please stop, oh, I beg you. Oh, I'm in bad sorts here. I took a little jolt and have managed to get myself hopelessly lost. I am staying in Strawberry. If you could just guide me back. Alors attends. On a quand même une prime de $150 hein, sur la tête. Bon, on va t'amener, mais on va pas rester par contre.
can't think of a good reason to say no. Oh, thank you, sir. Ah, ramène tes fesses. Shall I hop up there on the back with you? Oui. Your legs work, don't they? Well, yes, I suppose. It's just a little demeaning. Bah allez, viens, enfin, je sais pas. What are you doing out here anyway? It clearly ain't your natural habitat. Bah, bah suis-moi alors. No, I'm just visiting. I'm from New York City, actually. You don't say. Oh yes, there was some talk at the country club about this burgeoning little resort town called Strawberry. So I thought it might be quite the trip to see what all the fuss was. Perhaps make a few investments while it was still undervalued. Turns out I was made the fool. Not enjoying it then? It's a town of splinters. If you could call it much of a town at all, I'd hardly stepped off the carriage and I'd taken in the whole place. C'est bon, il arrive. I suppose some might call it charming. Let me tell you, charm is not worth much these days. You show me a timber frame shack and I'll show you Broadway. And meanwhile, you have this mayor, a quite intolerable blowhard. A little bespoke woodwork and he thinks this is a cultural hub? The man's completely deluded. Well, I should give him some credit. He must be quite the salesman. He did get me out here after all, more fool me. Now I'm tromping through the leaves in the muck with some cowboy. No offense. Little taken. Nah. Oh, I remember that. We're on the path. Oui. Oui. Oui, on est sur le chemin. Oui. Faut pas aller un peu plus vite. Allez, cours un peu, mec. Cours un peu. T'es pas à New York, tu vas devoir courir. Bute-le pour la prime. Non, c'est sur ma tête la prime. Salut Rocio, ça va? Non, c'est sur ma tête la prime, c'est pas sur lui. C'est moi qui vaut 150 dollars à Swarberry. Oh, are we close to town? Oui. Oui, on est proche de la ville. Ouais, il fait quoi de mal à Strawberry? You've rescued me from the depths. You seem quite the resourceful sort, sir. If for some reason you plan to spend any time in Strawberry, you may want to look into that gabbing mayor. Something is definitely off with him. Le maire? All right. I'll keep that in mind. Ok, là ça devient peut-être intéressant. I never thought I'd be so happy to see this pulp heap. New Yorkers. Jesus. On va pas trop rester, mais What's it to be? On va voir, on va se balader, on va voir le... Enfin, je sais pas si on peut parler au maire, c'est... Alors là, on a une point d'interrogation. Ça, c'est l'hôtel. Il semblerait accueillir les visiteurs, donc... Hein, ok. Un test de sang-froid. Ok. Je sais pas si c'est juste des histoires ce qu'il nous a raconté et on peut rien faire. Ou alors il y a vraiment quelque chose, genre il y a vraiment une enquête à mener. Looks like you're gonna have some good eating tonight. What's possessed you? I don't have to deal with this. It ain't a competition, friend. Qu'est-ce qu'on doit faire? Yeah.
come back. Take a look, if you will. Tu te rappelles quand j'ai tué la moitié de la ville? Still recovering from that day. Lost a lot of folks. At least the jail's fixed now. Ouais, il s'en rappelle. Ouais, il s'en rappelle, je confirme. Mon dieu, c'est n'importe quoi. Ah, fortifier miracle. Alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant ici? Oh là là. Non, c'est bon. It's an old book. Careful with the pages. Well, that's fine. J'ai l'impression que c'est en dessous. Le point d'interrogation. Oh. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Je comprends pas. Vous avez découvert un trafic caché à cet endroit. Vous pouvez maintenant lancer un cambriolage visant les activités illicites du magasin. Okay. Ah ah! On a trouvé des choses illégales. Des choses illégaux. Okay, on va faire une petite pause. Je reviens vite et après on fait ça. Il y a peut-être quelqu'un qui m'en avait parlé par contre. Je crois qu'il y a peut-être quelqu'un qui m'en avait parlé pendant notre aventure. Que un des mecs faisait des choses pas très bien. C'est cool, on va faire ça après. On va faire ça après.